Simbizi Poutine Sema Vumba Vladimir Zelensky. Zelensky. Toi c'est Zelensky. Moi c'est Shmaga Suri qui est babala qui est maniga maniga talambalo talomba et qui est mzwa kuchurisha. Mache c'est qui France en zugi. Français malade. Français malade. Diabétique. Of course. Bon moi le mouchoro, je ne paye le mouchoro. Donc Francine elle est mougoumou. Elle est mougoumou. Comment est-ce que tu... Elle ne chora pas. Elle est chorable, elle est chorable. Tu me rechorerais. Elle m'a... Elle m'a frappé. Comment? C'était juste de la pression de ce qui, de ce qu'il fait. Qui, non, de ce qu'elle fait. Elle est féminine. Francine. De ce qu'elle fait. Mais il m'a rien donné. C'est m'a des mots comme... Bon, si j'essaie de compter les mots qu'il m'a dit... Donc je peux même écrire tous tes livres. Il y a pas des... il est. Oui, français mon ami qui est, il est. Non attends, nous on n'est pas français. Attention. Je ne comprends rien. J'ai beaucoup de dettes à la boutique. Il faut savoir que moi je signe pas des contrats pour les 100 000, 200 000. Ok. Il faut savoir ça. Attends ça Marco. Non, qui gère la gestion petit. Qui gère. Français malade. C'est pas français malade. Parce que si tu ne veux pas travailler avec des abardos, quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui est courageux, quelqu'un qui a une vision, qui a la vision, qui a un target, imbécile et double caméléon, tu fais quoi? Alors pourquoi nous travaillerons toujours sur qu'est-ce que je veux dire? Comment je peux dire ça? Mais on a besoin d'élargir le terrain. C'est vous gagnez la phrase. Comment tu es tombé dans ce trou? C'est pas tombé ici, là. C'est parmi les faces de la comédie que j'essaie de traverser. Tu es parmi les rares artistes qui peuvent s'exprimer. Moi, j'ai fait les titres primaires à l'école qui avait le programme camerounais. C'est là où on nous a appris le français. Moi, je parle plus de 6 langues. Et alors? Alors, voilà, tu vois. Toi, tu fais comment? Donc, maintenant, je suis en train d'apprendre la langue ukrainienne. Je te prie, comme je te crois, mais je suis pirate, je m'en déchire de ce pasteur. Trop la grâce, incroyable, arc boudou. Nei barlik ostap tkhlak sta rasko neka pasta pochi nei kar namasta klapa kar tasma kar ostre rasko mesta kar rasko par ka last ka marka tma management rasta ka malaka ta kat zer ka pata maka sul kar ka pakat nei sto kar palak de ele be rask le komanda sherlo kurs bri trablo Torelli Nikalunga. Estrabuli Kaluka, Merka, Trichi Stampa, Kalaga, Termo Stick, Laparas Tukshine, Bakalas Tukushin Banaga. Nay. Zendu Babuji Merka Stapale. Zendu Parakalamakar to Sika Parles. Zeregle la trophy la YouTube. Truk la Huriro, Pril Karachola Mela Truro. Bonjour les fans de Simbizi Poutine Sema Vumba Vladimir Zelensky. Toi c'est Zelensky. Moi c'est Vladimir Zelensky. Aujourd'hui c'est Poutine avec Vladimir Zelensky. Gassoure papa là. Kiev. Mariupol, c'est-à-dire? C'est-à-dire la capitale de la Ukraine. La capitale de la Ukraine. Alors aujourd'hui, je suis avec monsieur Gassoure Babalao. Alors, est-ce que tu permets, même si je peux dire ton nom, tu peux te présenter là-bas, la personne peut te connaître. Répète encore. Il faut les personnes qui puissent savoir. Il faut que ceux qui sont en train de le suivre puissent savoir un peu sur ton profil. Profil. Moi c'est Shmaga Suri qui est babala qui est maniga maniga talambalo talomba et qui est mzwa kuchurisha et qui est fier et mzwa kuchurisha est-ce que tu as eu le muchoro là que tu demandais à Francine? Tu as dit que tu es mzwa kuchurisha. C'est ça le français qui te parle? Français malade. Français malade quoi? Diabétique.
Injectable. Injectable. Kyrie. Kyrie. Ah non. La Kyrie aussi. C'est pas les verbes que tu conjugues toi. Je conjugue le verbe. Mal paramétré. Mal paramétré. Ah. C'est bien paramétré parce que toi tu as dit que tu aimes Zoa Kuchoresh. Of course. Bon, moi le Muchoro, je ne paye le Muchoro. Comment? Donc Francine elle est Mugumu. Comment? Elle est Mugumu. Comment est-ce que tu. Elle ne chora pas. Il n'est pas chorable. Il n'est pas chorable. Il est inchorable. Il est inchorable. Tu as essayé, tu l'as contacté. Pas contacté même. Video call. Avec le Megabout. Man, j'ai manqué. Tu as utilisé tous les mots. Oh, ici la faim, la mort, ici la famille. On nous chasse la maison. Est-ce que tu as eu tous ces mots-là qu'on utilise pour Kuchoresh? Quoi dire? Ngirigi France est au monde. Sinon, comme Ngirigi Chinois. Non, parce que les gens que vous, les oiseaux à Kuchoresh ont des leurs propres mots qu'ils utilisent dans. Est-ce que tu as utiliser tous ces vocabulaires pour tchorécher, ça n'a pas passé. Francine, ça n'a pas passé. J'ai tchoréché pendant un long moment, mais il ne m'a pas répondu. Est-ce qu'on m'a. Bon, je vais savoir. Au lieu de me retchorer, il m'a. C'est avec France qui n'a rouge. Il m'a frappé. Comment? Il m'a flashé. Il m'a boudé. Alors, quel était ton objectif en produisant la chanson et la Francine vidéo Francine Tchoréra. Donc, l'objectif, ce n'était pas pour avoir de l'argent qui vient de Francine. Mais non, c'était juste de l'apprécier de ce qui, de ce qu'il fait. Qui, non, de ce qu'elle fait. Elle est féminine. Francine. De ce qu'elle fait. Mm-hmm. Eh oui, mais normalement, tu sais que j'ai consommé beaucoup d'argent pour produire cette musique-là. C'est pourquoi moi, j'avais envie aussi de me demander de me rembourser aussi cet argent. Ça serait mieux. Mm-hmm. Mais il m'a rien donné. C'est le mal des morts. Bon, si j'essaie de compter les mots qu'il m'a dit, donc je peux même écrire tous tes livres. Mm-hmm. Tu t'imagines? Ah, Ngoku wa Koko. Comment elle t'a répondu? Bon, il m'a répondu seulement en disant ok, courage, moi j'adore ton travail. C'est bon, donc j'adorais même la chanson, même les enfants partout où tu pars. Donc les enfants chantent cette chanson, mais j'ai dit ok, c'est bon. Mais Francine, il est. Oui, Francine, mon ami, qui est, il est. Non, attends. Nous, on n'est pas français. Non, attention. Il y a des projets qu'elle finance. Et Francine, hein? Mais ça dit que ton projet n'était pas bien préparé. Mon objectif. Mon projet était bien préparé parce que j'ai payé le producteur, de la musique, et aussi j'ai payé le vidéographe aussi, parce que j'ai utilisé un caméraman qui vient de Dubaï, un producteur vidéo, un vidéographe qui vient de Dubaï, parce que lui il n'a pas utilisé Adobe Pro, et il a utilisé ma marque à Adobe. Quel logiciel il a utilisé? Logiciel et vidéographe. Version 2022. Et aussi tu as avec tout ton travail. J'ai rien. Tu n'as rien. J'ai rien. Et tu es rien. Et vraiment, je ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Méga sorry. Alors comment avec la vie quand vous ne faisiez plus de concerts parce que c'est récemment qu'on a ouvert. Oui, c'est récemment qu'on a ouvert et maintenant je prépare le projet de faire aussi les concerts partout aussi. Bon, mais surtout sans rien mentir, mon cher, la vie sans les concerts là. C'est dur. Comment vous avez survécu? Mon cher, c'était plus dur. C'était dur. Parce que maintenant, j'ai beaucoup de dettes à la boutique, comme Tim l'avait dit. J'ai beaucoup de dettes à la boutique. Man, j'ai beaucoup, man. Attends, moi, je vais être emprisonné. Parce que j'ai beaucoup de dettes. Tu vois? Mais ma voiture n'a pas même de l'essence, tu vois. Du carburant, il n'y a pas là-dedans. Mais maintenant, on a ouvert récemment, qui veut dire qu'on va commencer encore à reproduire des concerts partout. Parce que maintenant, je vais commencer mon tournée, que je vais faire aussi et dans les campagnes comme ça, tu vois. Ouais. On va Moutima faire des contrats avec des partenariats, avec des entreprises. Ouais. Chez Gassolé, comment? Moi, c'est comment chez Gassolé? Mais moi, j'ai beaucoup de contrats plus que ça.
quand on ne voit pas. Mais on ne voit pas, moi, Juju. J'ai un contrat avec Budget, Mangende, Danzol et tout ça. Oh. Et puis, et il faut savoir que moi, je ne signe pas des contrats pour les 100 000, 200 000. Ok. Il faut savoir ça. Mm-hmm. Il faut qu'on donne nous-mêmes okay. la valeur. Ok. C'était entre guillemets ça. C'était entre guillemets. Alors, beaucoup d'artistes. Ouais. Beaucoup d'artistes, ouais. pour le moment, ils commencent à comprendre que ce sont des entrepreneurs. Exactement, les influenceurs. Oui, c'est des influenceurs. Mmh. Est-ce que tu as une équipe qui gère tes talents, qui gère ton talent? Attends, ça m'a compris. Non, qui gère la gestion, petit. Qui gère. Ah, français malade. C'est pas français malade. Et tu as qui gère, qui gère, qui fait le suivi, comment avec ton potentiel tu peux gagner. Est-ce que tu en as cette équipe? Exactement, j'en ai. Mm-hmm. Parce que avant de devenir professionnel, il faut que tu aies tout ça. Okay. Si tu n'as pas ça, tu es comme quelqu'un de la rue. Okay. Tu n'es pas un artiste professionnel. Okay. Qui veut dire que moi j'ai toute une équipe qui fait tout ça. Bon. Tu vois que le 25, on aura un concert pour Motimala okay. chez Ingo Live. Okay. Mais pourquoi je ne suis pas dedans là? Okay. C'est parce que mon management n'a pas été en bonne communication avec le management de Motima. Donc, c'est simple. C'est simple. Ouais. Alors, quels sont les critères? Les critères pour choisir ton équipe. Exactement, parce que moi d'abord, tu sais qu'en français on dit que ce sont les oiseaux de même plume qui volent ensemble. Ok. Qui veut dire que moi, si je suis un oiseau de telle sorte, okay. je ne suis pas volé avec les oiseaux qui ne sont pas de ma catégorie. Ok. N'est-ce pas? Okay. Qui veut dire que moi, si tu viens travailler avec moi, il faut que tu sois d'abord intelligent. Ok. Parce que si tu ne veux pas travailler avec des abardous, okay. quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui est courageux. Quelqu'un qui a une vision, qui a la vision, qui a un target, okay. quelqu'un qui sait ce qu'il fait, okay. quelqu'un qui est sérieux avec la vie, okay. tu vois, c'est pas n'importe qui vient ici, je vais être visible, c'est moi, c'est l'écran, et puis quitter, tu vas où toi, imbécile, okay. le double caméléon, tu fais quoi. Okay. Alors ça fait combien de temps que tu vis avec Antenne Management? Ah, moi je suis toi aussi, tu connais, moi ça fait longtemps, mais là. Parce qu'il y a d'autres artistes qui négligent, ouais. alors que. Parce que peut-être ils ne voient pas l'intérêt. Exactement. Moi, dès le début de ma carrière, j'ai eu le management. Okay. Oui, qui m'a managingé. Okay. le français là. Mm-hmm. Qui m'a managingé jusqu'à maintenant, genre mes studios. Mmh. Et maintenant, par exemple, tu sais que maintenant on a des targets qui ne sont pas les targets d'ici sur terrain. Mmh. Alors, c'est ça le problème que nous avons, nous les bandes. Mmh. Alors, pourquoi nous travaillerons toujours sur qu'est-ce que je veux dire? Comment je peux dire ça? Pourquoi nous travaillerons toujours sur le terrain bandes? Alors, comment est-ce que le terrain étranger nous connaîtra? Mmh. Alors, maintenant. Je ne suis pas gâcheur de ce terrain maintenant parce qu'on a déjà accompli ce terrain-là. Mais on a besoin d'élargir le terrain. Okay. Il faut que je sois gâcheur de l'East Africa, mmh. gâcheur de l'Ouest Africa, gâcheur de toute l'Afrique, mmh. gâcheur de hors de l'Afrique, okay. gâcheur mondial. Gâcheur international. International. Okay. Pourquoi toujours gâcheur burundais, rwandais, voilà, ça peut, c'est quoi ça? Est-ce que toi tu es satisfait de ce que tu gagnes sur le territoire national? Of course, si tu n'es pas satisfait de ce que tu gagnes. Tu es sûr de. Ok, tu es partout. Hein? Tu es sûr que tu es partout. Ah, je fais la seconde, vous en avez tout dit. Vous gagnez la phrase. Tu es partout. Et moi, je suis partout. Sur toute l'étendue. On connaît Gassolé. Est-ce que tu peux t'hasarder à planifier une tournée nationale? Est-ce que tu as ce confidence? Exactement, j'ai déjà fait ça. Moi, dans toutes les provinces du Burundi, j'ai déjà fait les concerts là. Okay. Et je vais refaire encore. Okay. Et maintenant, je planifie de participer dans les concerts internationaux. Par exemple, les concerts qui sont entre...
continental, de concert continental. Parce que bientôt, j'ai envie de participer dans les Chekatou, tu vois, dans les Chachi Show aussi, dans les... Il y a beaucoup, Yuji Comedy Store. Là, je suis en train de communiquer avec eux pour que je puisse y arriver. Donc, c'est simple, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Ouais. Alors, c'est comment votre union, votre relation avec les autres comédiens? Ouais. C'est comment votre relation? C'est bon, la relation est bonne. Okay. Alors, on est amis, on est famille. Alors que tu n'es pas sur l'affiche du... Bon, être ici, l'affiche, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon management. Okay. C'est mon management, hein. Okay. Tu vois? C'est pas moi qui me conduis, moi, seul. Okay. Parce que moi, je fais ça, il y a ceux qui sont derrière, moi, qui me conduis. Okay. Tu vois? Alors. Qui me conduit, ça. Qui veut dire que si je suis pas sur l'affiche, peut-être je suis sur l'affiche suivante. Okay. Tu vois? Donc, si les managements n'ont pas bien négocié, donc là, c'est un peu cambrioleur. C'est un peu cambrioleur, mais je sais exactement. Ok, ouais. Et alors, on a Gassoye aujourd'hui qui fait de la musique. De la musique, exactement. Français, d'un coup, pigamon, Javilia. Maintenant, tu es de la musique. Oui, de la musique aussi. Comment tu es tombé dans ce trou? C'est pas tombé ici, là. C'est parmi les faces. Mm-hmm. De la comédie que j'essaie de traverser, hein. Mm-hmm. Parce que moi je fais pas la musique sérieuse comme les musiques de Satmi et Big Fizzo, Natasha, non. Moi je fais la musique comique. La musique comique. Exactement. Ok. Gassoye Babala. C'est Project Z. C'est Project Z. Mais Gassoye, ouais. Comment. Ouais. Tu es les rares artistes qui peuvent. C'est le rare artiste qui paie, pas qui peuvent. Les rares artistes qui paient. Qui peut. Les rares. Non, tu dis, tu y es parmi. Okay, tu es parmi les rares artistes qui peuvent s'exprimer. Avec une self-confidence. Ah, en français. En français avec. La confiance en la soi. La confiance en soi. Voilà. Oh, voilà, c'est le nom. Hein, qui t'a poussé ouais. À t'habituer. Bon, premièrement, bah, moi, je sais pas quelqu'un qui m'a. Attends, c'est Guéré qui n'a ni couleur. Ah, on va virer après. Tac, je vais dire, ils ont vraiment. Oui, il y a Kaou, on va virer après. Donc, c'est pas. Il y a personne. Parce que tu m'as dit que tu as un management. Tu as un management. Mais personne ne m'a pas poussé. Parce que c'est le management qui gère tout. Hein. Qui gère tout. Mais si c'est. Fais ça. Personne ne m'a poussé. Seulement que moi, je fais les titres primaires à l'école qui avait le programme camerounais. C'est là où on nous a appris le français. Parce que moi, j'ai commencé. Tu n'as pas la camerounais là. Attends, non, ça m'échappe. Mais sinon, si j'essaie de parler comme les camerounais, si tu peux partir, mon cher. Non, il faut alors, après on va changer, on va parler comme les camerounais. On va parler comme les camerounais, hein. Et tu vas parler français camerounais là, tu vas quitter toi, hein. Non, j'ai pas quitté. Allez, va te faire fou là, tu veux quoi, hein. Alors, je vais savoir là. Comment on communique comme ça, hein? Oui, je vais savoir seulement. Hey, t'as passé le boule toi, mais je n'aime pas les trucs comme ça, hein? Alors, je vais savoir. Ouais. Qui t'a poussé à avoir cette confiance en soi? Ouais. De s'exprimer en tant qu'artiste, parce que il y a d'autres artistes, je veux dire. Alors, tous les artistes ici sont au boulot, puis. Même Satibi ne sait pas comment s'exprimer en français. Tu vois, tu vois les verbes atari, les totos town, son atanaïsme français, et toi, ce qui est atari, il y a Kenina qui dit. Alors, ouais, donc personne m'a pas poussé, ok. Donc, c'est en fait, moi j'ai ce temps-là de parler beaucoup de langues. Je parle plusieurs langues. Okay. Moi, je parle plus de 6 langues. Hey, je me souviens, tu parles même le chinois. Même le chinois, même l'espagnol. L'espagnol. Oui, même le portugais, je parle. Okay. Tu vois, même le portugais, même le suédois, je parle. Ok. Moi, je parle beaucoup de langues. Qu'est-ce que tu y as? D'abord. Ouais. Avant, il y a apprendre la langue. Ouais. Et il y a la confiance en soi. De s'exprimer. Alors, c'est ça ce que je suis en train de chercher.
Oui, exactement. Donc la confiance. Parce que même moi aussi, je connais pas les langues, mais je m'en fous. L'essentiel, c'est la communication. C'est la communication. Alors. Voilà, tu vois. Toi, tu fais comment? Donc maintenant, je suis en train d'apprendre, d'apprendre la langue ukrainienne. Mon cher. Je te parle, je te construis, mais je suis rate, je m'en déchire de structure, mais je suis dans la batterie. Mais les gars là. Mais avant qu'on attende l'ukrainien, la langue ukrainienne, d'abord, il faut. Juste, bon, c'est juste pour le partage. Exactement. Parce qu'il y a d'autres, artistes qui ont peur. Parce que qui ont peur de s'exprimer, exactement. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que le français est très difficile. Okay. Le français, c'est la langue la plus difficile, mon cher. C'est pas comme l'anglais là où il n'y a pas l'accent grave, il n'y a pas l'accent aigu. Mais en français, voilà, il n'y a pas masculin. Hein. Tu peux appeler même une fille, you boy, you guy. Mais en français, là, c'est toujours du genre. Du genre. Ah, aussi facile, hein, vraiment. En français, il n'a pas ta chou à Cameroun et à Congo. C'est un sorcier. Il n'a pas parika. Ah, pourquoi tu n'as pas parika comme ma groupe? Il est Zaindoumi. Mais qui a DJ Mario? Mais pas Paris, quand tu viens pour la pointe d'avant. Attends. Kumbe Kidjana, attends, on a souffert. On a pris le temps, on a souffert. Mine de te citer. Combien qui fera ça, mon cher? C'est pour ça qu'on va boire, c'est pour ça qu'on va appeler, c'est pour qu'ils ont. Tu as les Camerounais là. Hein? L'établissement là, Camerounais. Sorry, ça c'est un dit. Oui, ouais. Salam alaikum. D'abord, je dois goûter ça. Ouais, non, il y a Simon Itiki. On est sur le partage. Exactement. Il y a un nombre d'artistes qui ont peur de s'exprimer. De s'exprimer un tel langue comme ça. Ouais. Un français, non. Alors, ils sont en train de travailler. Demain, ils seront sur les grands plateaux là. Exactement. Où tu as des journalistes. Plus de 20 journalistes avec ceux qui sont devant toi. Voilà, je ne sais pas même les journalistes. Tu peux même performer devant un public. Devant un public. Qui est quoi? Donc qui est mélangé de plusieurs nationalités. Que tu dois t'exprimer dans la langue qui n'est pas ta langue nationale. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je suis le seul comédien humoriste ici au Burundi qui peut faire le stand-up comédie en français, en swahili, à Kirundi, c'est la langue maternelle. Mais en anglais. Aussi pour le attention. Faire, Sengazi. Sengazi, lui, il est l'international, mon cher. Uh-huh. Lui, il est l'international. C'est lui-même qui m'a appris. C'est lui-même qui m'a appris le stand-up comedy. Lui, il n'est pas parmi nos catégories comme ça. Lui, il est au niveau international, man. Mm-hmm. RFI. Mais après toi, je vais faire un entretien avec Ildefonso. Ildefonso. Et lui aussi, c'est amoureux, mais c'est. Donc, tu vois, donc, c'est bien. Mais moi, je te jure la vérité, je suis le seul comédien Maurice ici au Burundi qui est prêt à performer en français, en anglais, en swahili, en quoi et quoi. Donc. Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux me suggérer sur mon émission? Ah, toi, je t'encourage d'abord, parce que au Burundi, il n'y a pas plusieurs émissions en français comme ça. C'est le plus, il n'y en a pas d'autres. Où est Project Z? Pourquoi? Moi, je pensais que c'est le film qu'on va faire comme ça en français. Non, pas c'est le film, maintenant, c'est avec mon caméraman. Ah, caméraman, Mabou. C'est mon frère d'armes. C'est ton frère en sang. Voilà, c'est bien, moi, je t'encourage, man, parce que... Alors. Parce que tu vois quoi, nous, dans nos produits, tu vois, dans nos produits, nous utilisons toujours le Kirundi. Okay. Il faut que nous sachions que le Kirundi est utilisable dans deux pays seulement, c'est sur le Burundi et le Rwanda. Tu vois, en exception les diasporas burundais et rwandais seulement. Okay. Mais pourquoi on ne veut pas que les produits burundais soient connus en Tanzanie, au Kenya, au Mali? Pourquoi alors? C'est à nous de le faire. C'est pourquoi nous-mêmes dans la musique burundaise, c'est pourquoi on ne progresse pas. C'est toujours Ndagukunda, c'est toujours Ndagushaka. Et tu fais un hit au Rwanda, là, tu vois sur les titres, comment ça s'est chuté les gens. C'est quoi ça? Il faut qu'on planifie. Moi, j'adore Satibi. Maintenant, il est en train de se reconnaître soi-même. Parce que le gars là, maintenant, il utilise l'anglais. Hein, tu vois, le swahili. Mais c'est bien, là, les Burundais, aussi les Burundais ne comprennent rien. Mais la musique n'a pas de langage. Mais n'a pas de langage. Mais mon cher, il faut savoir. Mais la musique n'a pas de langage. Si alors, tu veux une mélodie, okay. ça va passer. Ok. Ok, mais c'est dans le cas d'exception. Dans le cas d'exception. Parce que même tu t'imagines qu'il y a. Akeza Karigou. Karigou, là. Et tu t'imagines qu'il y a la chanson burundaise qui est jouée au Mali, à Bangui. Quelle chanson? Tu t'imagines qu'il y a la chanson burundaise qui est jouée au Mali, à Bangui?
Peut-être, il y en a. Mais pourquoi les musiques de artistes du... Mais les musiques, c'est de Mali qu'on joue ici. Voilà, alors pourquoi... Alors qu'ils sont en Olof, que c'était Olof. Exactement. Alors pourquoi pas la musique bondaise? Parce que peut-être c'est leur faute. Mais c'est pas leur faute. Oui. Bon, c'est pas leur faute. Peut-être ça viendra petit à petit. Hein. Leur molo, faute, molo. Il y a la connexion. Bon, je sais pas si c'est la connexion, mais aussi notre langue. Il y a même, il y a même vous les artistes qui vous avez pas d'unité. Vous n'êtes pas. Voilà, une... voilà. Ouais, ça aussi. C'est beaucoup de défis. Exactement. Hein. Mais même l'unité. Mais avant de se réconcilier comme ça, il faut savoir ce qui fait tout ça, la cause. La cause de cette mal communication, de cette mauvaise communication, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Mais, à quoi la quitte, mais s'ils sont unis, ils vont se battre pour l'intérêt commun. Attends, il y a les amicales des musiciens. Il y a les quoi alors? Il y a les artistes qui ont des conflits, qui leurs conflits se finissent dans les parquets. Dans les parquets. Pourquoi faire alors? C'est ça. Alors comment est-ce qu'on gagnera l'argent avec ces conflits-là? On va gagner l'argent quand vous les artistes, vous saurez que vous avez à vous battre pour vos intérêts communs. Exactement. Tu as vu, bon, moi j'aime beaucoup l'éthique. Quoi? Il y a la différence entre la vérité et la réalité. Exactement. Beaucoup d'artistes aiment la vérité, mais n'aiment pas les réalités. Les c'est réalités. Pour ça qu'ils vivent dans les showbiz. C'est ça. Donc, faking life. C'est faking life, toujours. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est en train de dire... Et toi aussi, tu vis le fake? Non, je ne fake pas ma vie. Moi. Je ne fake pas la vie. Okay. C'est pourquoi moi... Alors, attends. Si tu as faim, tu peux dire, moi, j'ai faim. Attends, ici même dans l'émission, ni peut-être pas, moi, pour nous connaître, je n'ai pas de guitare. On a guitare, là. T'es là, il nous connaît, caca. Voilà, souvent, on sait. Eh, mon cher. C'est difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas les concerts, Il n'y a pas les concerts, mais tu as des contrats, tu m'as dit, les contrats, tu as les ils arrivent des moments où ça se termine mais je crois que l'émission était bon mais... Alors mais on peut parler, tu parles beaucoup de langues, on peut parler en hindou. En hindou? Oui, t'inquiète, moi je suis là. Beri malé karakot. Zendu parle par kachinista makatoshi marke tapale karate kase burundi hindu merka tapale ke temariste kala. Pierre Belli merka la kokotka alark Pierre Malé kar. Zendu parle que ce la kurka kapakat. Nahi. Iste par kach tamale kruste mate kase sto marka la parka tasta New Delhi. Delhi ka mar tasta kasta Bujumbura mel kar ke stamba kare tusto kella ka babuji nahi kuch nahi. Kasta la apa ka? Belli kruste kella kurulak na France de lo kuchko Rala go, pral ke relab kavu. Beri mele kachkar kurang cepat kala. Preskala mesto par kastina customer ko stil lek matek parla katek chine hi berkala te kastega to kala ke ne babuji hi kuchi lei ka markas te kamal ka tapasikla zerkala pichikle ba go hule shis to marka tapasikla to kre babaji buli ta kar lamba ta katas pola kara zur ke pola kachike se bazgar lek shis to mak lek ka pakata koila trulla kar se fuka kar ark budu nei barli ostap kala rasko Nika pasta pochi nahi kar ramasta klapa karte sma kar mesta kar rasko par last ka mark to mas management rast ka mal kata kata zer ka patma ka sul kar ke chapa ka nahi to kar pa lagde ele beres le komanda sherlo kurs bri trouble ko torali nahi kalunga is trouble kalunga mar ka trek stampa ka lagte mo sti klapa ka stuk shi nahi barka last ko stri banaga nahi Nee. Zendu babuji merka stapale. Zendu par kalama kar tu sikka par kale sikke. Zerga la trophy la YouTube. Truk la huri ro pril karacho la mela trophy la huri ro. Malar astalam ra astalam la kar se berdus. Oste oste la se bla on peut terminer l'émission mon cher. Alors les Chinese. Les Chinese c'est bien. Les Chinese.
Non, ça c'est pas Chinese. Non, Chinese. Chinese, il veut pas parler Chinese. Moi, je veux parler Chinese, mais ça c'est pas Chinese. Non, parce que c'est pas Chinese que j'ai parlé. J'étais un hindou. Alors, on change pour pas dans le Chinese. Dans le Chinese. Le Chinese, c'est après. Alors, moi, je vous aime partager cette vidéo au maximum. Exactement. Donc, les bondés, même ceux qui ne sont pas les bondés. Mais toi, aussi, quand tu auras ce trophée-là, il ne faut pas aller le morceler pour aller le vendre. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Non, je dois le vendre. Pourquoi conserver ça alors que je suis pauvre? Pourquoi conserver ça? Mon cher, je construirai des bijoux en utilisant ce trophée-là. Le trophée? C'est après demain que je vais avoir ça. Quand tu aurais les 100 000 abonnés, tu auras donné ce mon cher. Tu peux aussi le morceler. Dans la bijouterie, il faut qu'on produise aussi des bijoux. Des bijoux. Conserver, c'est... Attends, ça c'est... Attends, caméraman, il faut filmer ça. Ça, non, c'est trophée. Ça, c'est trophée, je crois. Ça, c'est trophée. Festicap 2014. Dima Shoka. J'ai aussi une autre trophée là-dedans. Ma Fissimano Prize 2016. Pour que la caméra ne s'éteigne pas. Hein? Ne s'éteigne pas, on termine ici. On termine ici. Hein? Et après. On va faire après. On va faire aussi une autre émission. Une autre émission après. On vous invite de partager au maximum cette vidéo-là. Cette vidéo. On vous invite aussi de faire le subscribe là. Et le subscribe. S'abonnez-vous là. Les abonnés. Et ça m'intéresse pas. Hein? Et le livre vous abonne. Je comprends rien sur ça. Pas, je comprends. Et le fan, on vous aime là. Je comprends beaucoup. On est là tout.